Je m'appelle Isabelle et je suis chef de département en bureau d'études et autorité technique sur un produit de KNDS. Mon métier s'articule en trois composantes. La première, c'est une composante de management. Je pilote les activités de mon département pour atteindre les objectifs sur lesquels on s'est engagé. Je développe au mieux mon équipe pour leur permettre de s'épanouir dans leur travail, de développer leurs compétences et de préparer l'avenir dans mon secteur. La deuxième composante, c'est d'être référent technique sur la sécurité du produit qui est une de ma responsabilité. La dernière composante est de contribuer au rayonnement de l'entreprise en participant à des événements externes et notamment à l'international. Le challenge technique et l'innovation, accompagner des jeunes et les former, travailler en milieu multiculturel et international. J'ai fait un parcours assez classique au départ avec une classe préparatoire scientifique et une école d'ingénieur. En parallèle, j'ai choisi de passer tous les diplômes universitaires pour pouvoir continuer avec un doctorat. Et j'ai pu faire ce doctorat chez Nexter, société de KNDS. C'est Catherine Johnson, qui est une mathématicienne américaine qui travaillait à la NASA dans les années 50 et dont les calculs ont permis les premiers vols orbitaux habités américains. C'est pas rien, surtout à une époque où il n'y avait pas beaucoup de femmes quand même dans les métiers techniques. Alors, faut pas hésiter. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de postes, c'est très innovant, vraiment de la physique intéressante et des moyens de test impressionnants.